Yo, mes éléments, c'est comment? Le caca est toujours là. Voilà. Maintenant, ici là pour quoi? Ici là pour quelque chose. Il y a Adebayor Emmanuel Chéhi qui a fait une vidéo. Vidéo ça là là. Comment elle a vu ça là? Ici rentré, c'est un commentaire qui m'intéresse. Ici rentré dans le commentaire pour lui un peu de commentaires. Dames et messieurs, si le caca réagit pas, c'est pas bon. Si le caca réagit pas, c'est pas bon. Mais avant de commencer, je vais vous présenter la vidéo d'abord. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. Et puis écoutez bien les propos d'Adebayor. Adebayor, toi-même là, le caca va te dire ta vérité aussi. Mais pour le moment, je vais aller pas à pas d'abord. Écoutez la vidéo et puis je reviens. Bonjour la famille, c'est Chéhi Emmanuel Adebayor. Ben écoute, hier soir, il y a eu un gros match à Lomé entre le Togo et le Sénégal. 0-0, score final. Dégoûté parce que j'aimerais voir mon pays, j'aimerais voir le Togo gagner ce match. Bon. Malheureusement, la chance n'a pas été de notre côté. Mais c'est pas grave, c'est le football de haut niveau. Il ne faut pas oublier hein, qu'on a joué contre champion titre, on a joué contre l'une des meilleures équipes à l'heure actuelle dans le continent. Donc voilà, satisfait du résultat, je dirais oui et non. Mais bon, c'est pas grave. Je ne suis pas là pour ça. D'accord, ça c'est la première partie de la vidéo. Parce que je vous ai dit que ma vidéo serait en détente. Ma réaction là, c'est en détente. Ça c'est la première partie. J'espère que vous avez bien écouté ce que tonton Adebayor. Moi c'est mon tonton. C'est mon tonton. Donc ce que tonton Adebayor là, lui il a parlé là. J'espère que vous avez écouté. Si tu n'as pas bien écouté, il faut encore aller. Et puis tu vas bien écouter les paroles. C'est français, il a parlé. Écoutez très bien. Maintenant, on revient sur la deuxième partie. Je suis là pour vous dire que, écoute. Koulibaly, bah, le capitaine de la Teranga, il m'a envoyé son maillot à la maison. Bah, écoute, merci jeune frère, que Dieu t'accompagne, merci pour le maillot, merci pour tout ce que tu es en train de donner en ce moment à l'Afrique, sur le terrain et surtout en dehors. Et aussi, hein, comme vous le voyez, il a manqué pour aller de la part de Pape Matassa, un autre jeune frère qui évolue dans mon ex-club, Tottenham Hotspur. En Angleterre, qui fait une très très bonne saison en ce moment. J'espère qu'il va pouvoir gagner le championnat avec Tottenham cette année. Et là, j'ai un autre maillot d'un jeune frère que j'apprécie énormément, que j'aime énormément, Diallo, qui évolue maintenant dans le Bundesliga. Il y a 2 ans, il était au Parc de Princes, il était au Paris Saint-Germain. Ben écoute, les jeunes frères sénégalais, merci pour les maillots. Et je suis très content. Et voilà, allez-y. Retrouver votre club. Déjà, bon voyage à vous. Je sais que vous êtes déjà rentré chez vous. Bon voyage à vous. Bonne continuation dans votre club respectif. Encore une fois, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est le bonheur, la chance. Et en sachant très bien que nous, on ne peut que vous accompagner maintenant avec nos prières de tous les jours. Que Allah exauce nos prières pour que nos jeunes frères qui sont de l'autre côté, qui représentent le continent, puisse nous donner encore de la joie à travers nos petits écrans. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ouais, mes éléments. C'est maintenant les bonnes choses vont commencer. Écoutez-moi très bien. Quand vous regardez la vidéo d'Adebayor, quand vous observez son visage, vous allez sentir qu'au vidéo ça là, il y a quelqu'un qui l'a dit de faire vidéo. C'est son équipe là. Il lui a dit: mon frère, si tu ne fais pas vidéo là, pardonnez, les Togolais, eux, vont dire des choses encore. Vous avez failli quand le monsieur est dégoûté du pays. Vous là, vous avez failli quand le monsieur là, notre petit pays de Togo, comme ça, le monsieur, il est dégoûté de ça. Mon tonton, il est dégoûté du pays. Vous avez fait croire au monsieur que lui n'est plus Togolais maintenant. Vous avez fait croire au monsieur que lui n'est plus Togolais. Donc là, si quelque chose arrive et que les citoyens togolais, c'est la population, nous on doit réagir là. Que lui n'a plus le droit de réagir par rapport à ça. Vous êtes comment les gars? Sciencé. Le monsieur a joué pour vous. Le monsieur a joué pour le pays ici. Donc là, il n'y a pas quelque chose qui a se passé dans le pays. Lui, il va mettre sa boue dedans. Quand il met sa boue dedans, le problème est tombé dedans. Un jus là-bas. Je n'ai pas togolais. Tu es comme ça. Tu es parti aller faire des choses au Ghana. Tu as oublié le Togo. Tu as fait ci, tu as fait ça. Ce que vous faites là, c'est pas bien, les gars. Et je ne suis pas là pour ça. Vous avez écouté ce qu'il a dit, non? Je ne suis pas là pour ça. On te dit, match Togo-Sénégal, là, comment tu trouves ça? Il dit oui et non. Oui et non en même temps. Comment on peut dire oui et non en même temps? Parce qu'il vous connaît. Quand il va donner son avis maintenant, là, vous allez venir insulter le monsieur.
vous allez venir insulter le monsieur. Maintenant, le monsieur fait vidéo pour soutenir le Sénégal. Il y a des gens qui viennent dire en commentaire que le monsieur a payé pour avoir les maillots. Le monsieur a payé pour avoir les maillots. On peut être mauvais comme ça. On peut être sadique comme ça. C'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Le monsieur a payé pour avoir les maillots. Moi, de ces jeunes frères-là, lui, il va donner l'an pour avoir ça. Hé! Moi-même, je comprends pas. Ça, là, là, c'est rentré dans son scénario. C'est rentré dans son scénario. Le monsieur vous a fait quoi au juste? Il quand simple maillot que ses frères, ses jeunes frères lui ont remis. C'est-à-dire, on a envoyé ça dans sa maison. On a pris ça, on a donné quelqu'un. Et puis, quand vous regardez bien là, il y a quelqu'un qui a écrit sur le maillot Poids des Bayons. Il a écrit ça parce que lui-même, il sait où. On connaît l'Africain. Si on écrivait pas là, lui, il peut aller changer, aller faire qu'est-ce qu'il y a avec. Ou bien, il va aller déposer quelque part. Il va dire non, que peut-être là, lui n'a pas compris que c'était Poids des Bayons, c'était qu'est-ce qu'il y a. Vous avez vu, quand on a écrit dessus. Maintenant, on nous dit en commentaire. Il y a un tata à Vessi qui est là-bas. Je ne sais pas si c'est un faux compte ou bien un truc là. Toi, tu viens dire aux gens que monsieur Adebayo, mon tonton, lui, c'est mon tonton. Il a payé pour avoir le maillot. Il a payé pour avoir. C'est son âge, champion. C'est son âge. Il a payé. Il n'a pas payé. On s'en fout. Maintenant, pourquoi toi, tu viens faire croire aux gens que le monsieur a payé pour avoir le maillot? Pareil. Quand vous avez regardé la vidéo là, il n'a pas parlé des Togolais. Ce qui s'est passé, comme tout le monde a réagi, de façon dont même la population a réagi sur l'action, sur ce qui s'est passé au terrain, lui n'a pas dit quelque chose là-bas là. Ça vous énerve. Maintenant, il est revenu, il parlait pour ses frères sénégalais. Vous allez dire aux gens, Adebayo n'appartient pas au Togo Somao. Lui, il appartient à l'Afrique. Donc, simple maillot qu'il a parlé. Pourquoi les joueurs togolais là, eux n'ont pas envoyé leur maillot là-bas? Eux aussi là, ils peuvent envoyer leur maillot, non? Pour dire, ah, grand frère, j'ai envoyé mon maillot pour qu'on te fasse ça, 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 tu bénis, ça, 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 tu fais ça. Ils n'ont pas fait ça. Sénégalais est venu faire ça. Est-ce que Togolais là, quand il s'en va au Sénégal, imaginez un peu qu'un Sénégalais, un Togolais qui s'en va au Sénégal jouer contre Sénégal, et puis eux, ils vont faire ça. On va dire à ces Togolais qu'eux aussi, ils ont payé, je ne sais pas qui est donné comme exemple. Il sait pas. Vous êtes mauvais dans le pays. Maman, je comprends pas. Vous êtes trop mauvais. Commentez là que j'ai vu la main maintenant. Ma mère a fait nyangé. Il a dit, Togolais, vous êtes trop mauvais même. Vous avez fait quand vous voulez chasser le monsieur. Le monsieur, vous avez un problème dans le pays contre le monsieur. Le monsieur vous a fait quoi? Appelez le monsieur, dites au monsieur que, champion, quand tu jouais là, tu as fait ça sur nous, tu nous as fissé comme ça, tu as roulé dans des grosses voitures, tu as jeté l'eau sur nous. Hein? La manière dont toi tu roules voiture là, avec garde de corps là, ça nous fisserait. Tu as fait gros trucs sur nous, donc là nous on est fâchés contre toi. Donc ça là, nous on doit enlever ça dans tes yeux. Appelez le monsieur, dites-le. Là comme ça, lui aussi il saura que, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà pourquoi on me punit. Maintenant vous voulez faire croire aux gens que le monsieur n'est plus togolais. Il n'a plus le droit de parler. Quand on a joué là, son simple avis que lui va donner là, lui aussi ne peut pas. Mon tonton, pardonne. Toi, si tu as fait quelque chose que moi, je n'ai pas aimé, tu as parti au Togo. Tant que tu dis au Togo, ce qui va se passer au Togo, toi, tu dois mettre ta bouche dedans. Oui, tu dois parler. Parce que là, nous là, il y a nous qui est. Par exemple, moi, le caca, moi, ici, sur la toile là. Quelqu'un qui va faire qu'est-ce qu'il y a qui ne sera pas dans les nombres là. Moi-même, je suis, il met Bouyaka derrière lui. Il met Bouyaka derrière lui. Donc là, si tu me rebelles, il faut savoir que le caca est là. Désormais, quiconque va mettre un commentaire bandicon sous les vidéos de mon tonton, il va raconter le caca dans sa maison. Si c'est le gars, moi j'ai fini de parler. C'est que si, dites-moi en commentaire ce que vous aussi en pensez. Parce que commenter ça là, moi ça m'a énervé. Ça m'a trop énervé. Tata Vlessi, je ne sais pas qui tu es, mais bon. C'est que si, c'est un région. Maman, elle a été récupérée d'une manière. Quand même la diffamation va te dégoûter, t'inquiète même pas. Brr. C'était le Gada le Chocoto. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le soldat de tout le showbiz du Togo. Tout ce qui se passe au Togo, je suis le soldat. C'est moi qui viens mettre l'ordre dans les désordres. Y'a pas l'ordre. C'était le Aipopo Chambellet. Blabr.